Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. Nous sommes jeudi 11 janvier 2024, c'est parti pour une vidéo arrivage Lidl. Allez, on va tout de suite, le produit qu'on voit un petit peu partout en ce moment, c'est l'aspirateur sans fil à 79,99€, donc sans fil, maniable et facile à utiliser. Alors il a le petit aspirateur à main aussi qu'on peut utiliser seul. Plusieurs accessoires pour de nombreuses possibilités d'utilisation. Il y a le support mural évidemment. Voilà, on peut le démonter pour une utilisation d'aspirateur à main. 79,99€. Salle de bain, poubelle de salle de bain, 6,99€. Donc les petites poubelles pédales, hein, classiques. On a deux couleurs, on a du blanc et on a du vert. Peignoir de bain pour enfants, il me semble, 7,49€. Alors, il y a le bleu et le rose. Au niveau des tailles, c'est pour les plus petits, hein. Je vois du 12-24 mois, il devrait y avoir du 4-6 ans. On continue, on revient dans la salle de bain avec le mitigeur de douche. Il est à 44,99€. Thermostatique, donc le bouton rotatif pour passer facilement de la baignoire à la douchette. Température réglable en continu. Alors celui-là, c'est celui qu'on va venir poser sur le mur et pas sur la baignoire. Après, je suis pas trop connaisseuse, hein, dans tout ce qui est travaux, plomberie. Je sais pas si on peut le mettre ou pas sur la baignoire, mais j'ai l'impression que c'est celui qu'on va venir mettre au mur. Panière étagère 6,99€. C'est celle à ventouse. Alors c'est les fameuses ventouses qu'on a un peu du mal à mettre, mais une fois qu'on les a mis, je vous assure, ça bouge plus. Donc on a celui-là avec donc les deux ventouses. On l'a en vert et en blanc. Après on a l'étagère triangulaire, pareil avec les deux ventouses. Alors je vous dis tout de suite, hein, le système pour la mettre au mur, c'est compliqué, que ce soit d'une enseigne à l'autre. Mais comme je vous dis, une fois que c'est monté, franchement, ça tient bien. Donc on a celle d'angle, et celle d'angle aussi, on va la retrouver en vert. Un autre système que moi je préfère, c'est celui-là, l'étagère de douche comme ça. Alors on l'a eu il y a deux ou trois semaines ici, mais c'était en inox. Et là, c'est en plastique, donc tous ceux qui n'avaient pas trop confiance en inox, en disant que ça allait s'abîmer et tout, vous avez cette version plastique. Pareil, moi je trouve que c'est très bien. En fait, votre étagère va tenir grâce à la pression entre donc, le mur et le mur, le sol, que ce soit le sol de la douche ou de la baignoire, et le plafond, donc 1,25 m jusqu'à 3 m. Donc on peut le mettre autant dans une douche que dans une baignoire. Et il existe tiens, en noir. Et 13,99€. Le set d'économiseur d'eau. Alors j'ai entendu du bien sur ces économiseurs d'eau. Je suis pas encore passée à ça. Mais vous voyez, apparemment on peut économiser jusqu'à 40% d'économie d'eau. On peut mettre ça pour la cuisine ou la salle de bain. 7,99€. Les tapis de bain, 8,99€. Donc avec ces motifs que maintenant moi j'appelle motifs berbères. Hein. 60 par 1 mètre, on a le blanc ou le noir. Alors, salle de bain, mais je pense qu'on peut le mettre dans une autre pièce, hein, parce qu'ils sont vraiment beaux. 8,99€. L'hydropulseur, 24,99€. La petite histoire avec l'hydropulseur, j'en ai acheté un, mais malheureusement, j'ai dû tomber sur une mauvaise série. Parce que j'ai dû le rendre, il ne fonctionnait pas. Bon, du coup, j'en ai pas repris parce qu'il n'y en avait plus en rayon. Mais je me demande si je vais pas le réessayer. Ça, c'est vraiment bien pour nettoyer entre les dents. Et j'ai plutôt des bons retours. Alors après, c'est moi, hein, ça arrive. Hein. C'est ce que je vous dis toujours, hein, que ce soit à Lidl ou dans une autre grosse enseigne. On a, voilà, ça arrive. Ou je ne sais pas ce qui s'est passé avec le mien. 24,99€. En fait, ça va émettre un jet d'eau assez fort. Et je vous dis, ça va vraiment vous enlever tout ce qui est aliments entre les dents. 24,99€. Tiens, on l'a avec les boutons bleus ou les boutons noirs. L'épilateur,
marque Braun, tiens, 34,99€. Mitigeur de lavabo, 29,99€. S'il y a d'autres couleurs, non, il n'y a que cette couleur là, 29,99€. Les boîtes de rangement, 8,99€. Alors on a plusieurs tailles, on a celle-ci. Hop. Et on a aussi celle-ci. Elles font 14 litres chacune. 8,99€. Et il y en a 3. 3 et là il y en a. Il y en a 6 de cette taille-là. Ensuite, les anneaux lumineux, 8,99€. Donc ça, c'est bien pour avoir de la lumière quand vous faites soit des vidéos, des photos. La prise connectée, 10,49€. On a les mules, 10,49€ qui passent à 10,49€. Donc on a bleu. Et on a celle-ci en noir. Donc c'est des tailles hommes, je vois du 42 jusqu'au 45. Plafonnier LED, 24,99€. Donc on a celui-là. Et puis celui-là avec les petits spots comme ça. 24,99€. Je recherche un spot qu'ils avaient vendu ici. Un peu le même système, mais c'était en bois et métal. Je regrette de ne pas l'avoir acheté. Je recherche un luminaire pas trop bas, en fait, vraiment collé au plafond parce que ma pièce est assez basse. Mais après, j'aime pas trop. Après, chacun ses goûts, le système un peu comme ça, chromé. Donc celui-là, il est à 24,99€. Alors, un peu de bricolage avec le pistolet à peinture pneumatique qui passe à 10,99€. La clé dynamométrique. Alors je sais plus, on m'avait expliqué une fois ce que c'était, puis j'ai oublié. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu ces clés-là. 19,99€. Il y a 5 pièces. Coupe bordure taille S sans fil. 19,99€. 2 en 1, donc pour des bordures nettes et des buissons parfaitement taillés. Alors on y vient de plus en plus, on va y venir de plus en plus hein, au côté jardin, jardinage. D'ailleurs, on a le coupe-branche télescopique qui passe à 18,49€. Alors, quand il y a des offres comme ça, si vous avez besoin d'un coupe-branche et que vous avez le budget, profitez-en, ne vous dites pas on va attendre, parce que très souvent, on revoit exactement les mêmes articles au prix plein pot. Donc ça, hop. Donc maximum 6 cm ou 3 cm, ça dépend ce qu'on va utiliser. Donc lame de scie avec crochet de traction et coupe-branche avec système de câble à levier. Tronçonneuse d'élagage, 99€. Voilà, c'est ce que je cherchais. Celle-ci, elle a essence. Pareil, des tronçonneuses, on va en avoir de toutes sortes, dont celle à essence. Donc 99€ celle-ci. Moteur de temps puissant et silencieux. 20 cm pour la lame, donc la chaîne automatique. 99€. Le set de tournevis, 6,49€. Il y en a 8. Après on a la lampe de jardin, 13,99€. Donc les piquets comme ça. Alors c'est pas mal puisque ça a détecteur de mouvement. Donc ça va s'allumer uniquement quand on passe devant. Et c'est solaire, donc pas besoin de piles. C'est pas plus mal. Là, moi c'est ce que je prends maintenant quand c'est extérieur. Je veille à ce que ce soit solaire, parce qu'on a encore pas mal, on a pas mal de lampes comme ça de jardin à piles. Que ce soit solaire, parce que voilà, c'est beaucoup plus simple. Et surtout plus économique. Taille est électrique. 44,99€. Alors si je peux me permettre de vous donner un conseil, alors je suis pas du tout une bonne on dit jardinière, moi je vous conseille, c'est de prendre sans fil. Moi j'ai fait la bêtise la première fois, j'ai pris à fil, mais voilà, pour se déplacer, alors surtout quand voilà, comme moi on sait pas trop
Jardiner, on n'est pas encore, on n'a pas encore le coup de main. Alors si en plus on a un fil dans les pattes, si je peux dire, ben c'est moins évident. Donc c'est vrai que sans fil, bon, l'autonomie est plus courte, ça va dépendre aussi de la taille de votre jardin, etc. Mais moi je préfère le sans fil. Après il y a aussi par rapport à la puissance. Mais voilà, si vous avez un petit jardin, c'est vraiment pour une ou deux petites haies, je vous conseille le sans fil. Donc il y en a un chez Lidl. Je pense que je vous ai dit, l'arrivage jardinage ne va pas tarder. Couvre-siège auto, 5,24 €. Après, on a le broyeur de végétaux à lame, 99 €. On revient tiens, à la salle de bain avec le porte-savon gobelet. Alors, c'est bien toujours avec ce système de ventouse, 2,99 €. Donc, ça va permettre de le mettre déjà au niveau de la baignoire ou de la douche, ou au niveau de l'évier. Ça va vous, vous allez avoir de la place au niveau. Enfin, vous allez avoir votre évier qui va rester vide. On a les crochets aussi, comme ça. Vous pouvez les mettre aussi directement sur le mur pour y mettre des petites serviettes. Vous voyez, des petites serviettes pour s'essuyer les mains, les petits essuie-mains. 2,99 € en tout cas. Et j'ai vu qu'il y avait aussi le porte-savon. Station météo radio guidée, 17,99 €. On l'a en blanc et en noir pareil. Ça, c'est un article que vous êtes nombreux à attendre. Ça fait des années que je fais mes vidéos arrivage et à chaque fois, c'est un vrai succès, ces stations météo radio guidées. Câble de recharge, 5,19 €. Alors celui-là, il y a tous les câbles. Chargeur intelligent, chargeur sans fil. Alors en fait, non, le chargeur, vous allez le brancher, vous allez mettre le câble derrière, mais après, pour votre téléphone, vous avez juste hop, à le poser dessus. Et on revient pour finir côté salle de bain avec les boîtes à bijoux organiseurs à 3,49 €. On a les petits tiroirs, ça c'est idéal hein, pour mettre son maquillage, mais aussi pour mettre ses petits chouchous, ses petits élastiques. Alors, et il y a aussi celui-là. Et il y a aussi ça, c'est le petit pot là. Pour mettre les rouges à lèvres et les cotons. 3,49 €. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je trouve qu'il y a des petites choses intéressantes niveau rangement, salle de bain et aussi tout ce qui est mitigeur. Moi, quand je vois le prix ici et quand je vois le prix que je les ai payés parce qu'il n'y en avait pas chez Lidl ou autre enseigne, je suis un peu dégoûtée parce que c'est toujours pareil. Quand je cherche un article, je trouve pas chez Lidl ou autre. Et dès que je ne cherche plus, ben, il n'y a que ça. Voilà, plein de gros bisous à vous et je vous dis à plus tard.